Bam, bam, bam. Mettez le front avec vos trucs. Vous me pétez le front. Vous me pétez le front. Avec vos trucs à la con. Et nous, mon Resident Evil? Faux! Eux, ils savent c'est quoi un vendredi soir, voilà. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cul du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous n'aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe. Drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Ben alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero?
Moi qui venais de dire qu'on était arrivé. Il avait besoin de faire pipi, en fait. Et pourtant, ça t'empêche pas de faire pipi. Pour une statue en plus. Dans la police qu'il fallait pas rentrer dans les grilles. Putain, il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Bon, faut trouver la statue pour pas marcher là où elle est, vu que c'est là où il a fait pipi. Oh, une boîte! Est-ce qu'il est passé? Ah ouais, on fait comme à la maison direct. Et ça a tous les murs ou juste les fenêtres? Non, ça a l'air d'être la fenêtre. Bonjour. Americanos. Pedros. De la Noia. Y a quelqu'un? Ah bah enfin. Je m'en approche. Ok.
L'autre porte avait l'air mieux en fait. Désolé d'être entré comme ça. Est-ce que tu penses que tu vas nettoyer un jour? C'est la merde. Papa, c'est le repas? Je peux en avoir un morceau? Vous pouvez me le faire cuire par contre? T'as pas la petite lampe comme ça. Technique, geste technique. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Bonne ambiance. T'as pas des balles? C'était quoi? Les méchants. Ah putain, la visée, c'est de balles. Il n'y a plus de balles dans mon flingue à moi. Bonsoir. Ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas.
Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte... Faut que j'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. À la prochaine. On se recroise, on fait une bouffe. Ah, la bonne ambiance. Je dois pas être le premier gringo. Merde, eux aussi, ils ont trop de peinture rouge. Pas jaune. Ah, pas commencer à tricher. C'est ma première partie. Et je crois après. Pas arriver à temps pour le sauver ou pas? J'aime les balles. Ouais, j'ai compris, Lord Sadler. Est-ce que vous dites derrière toi, abruti? Et c'est tas. Papa la papa. D'accord. Pourquoi t'as mal? T'es une petite blessure de rugby, non? Ah non, vous allez pas me faire le coup du gros caillou!
Ah non, c'est bon, ils l'ont pas fait. Ils m'ont fait le coup du piège à chien pendant que je croyais qu'il y aurait le gros caillou. Bande de connards. Soit t'es fou toi, t'as rêvé. Ah. Oh. C'est beau la plante verte. Il est raté? Ça, c'est une voiture, Baka. C'est vert. Et ça reste une voiture. Donc il en faut 5 plus un truc. Je sais pas c'est quoi. Enfin, c'est le mulling à la fond. C'est moi ou le couteau il a une durée de vie? Ah putain, les enfoirés. Regarde s'il n'y a pas un piège à loup, Baka. Comme ça, tu verras pas l'ennemi quand il te tapera dessus par devant. Ah, pardon. J'ai dérangé votre collection de têtes, les gars. Tranquille. On va passer une bonne soirée magnifique.
On a un coup dans le dos. Oh, je viens de me faire bolosse par le coq. Bien, quand même, visiblement, je fais des allers-retours. Tous, comment ça va se finir? Je vais courir dans tous les sens. Il y a un mec avec une tronçonneuse qui va me tirer dessus. Les cheveux de Léon sont étranges. Tu vas bien, mamie? C'est vrai que ça a l'air mieux.
La la la, la la la. La la la, la la la. Ah, il me touche d'esquive avant. Dégage! Tu peux apprendre? Non, parce que j'ai plus de couteau en fait. Ils sont quand même nombreux au début, hein. Mine de rien. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. Je dirais qu'elle a déjà commencé. On va passer une bonne soirée magnifique. Par contre, j'ai plus de couteau. Bon, j'ai plus de vie non plus, mais... Je t'entends pas. Un moulin. C'est noté. Comment ça, tu l'as entendu, toi? Il me faut un couteau.
Mais t'es pas là tout à l'heure ? Ouais, t'arrêtes le poulet, hein. Ouais, si vous croyez que je l'ai pas compris, votre petit jeu, là, de poulet. Ouais. Je suis un poulet, je suis inoffensif, je mets des coups de tatane. Ah ouais. Bah écoutez, vous m'aurez pas pour le repas. Hey, salut Pidgeot, j'espère que tu vas bien. Attendez, on n'a pas fini de visiter le village. Ah d'accord, c'est de la ferraille. Faut mélanger la poudre et la ferraille et ça donne des balles. Il faut acheter. Et là, il faut une clé.
Yesta! Le voilà. Il y en reste des ennemis. À l'époque, fallait faire tomber un truc, ennemi. Contrarié? Pardon, excuse-moi. Comment ça, il faut pas approcher? C'est ce qu'on dit, hein? Il tâte le cul de la vache. Tâte le cul de la vache. Un truc bloqué ou pas? Comment ça, c'est un travelot? Eh oh, tu sais pas ce que je fais mes soirées, hein. Arrête de me juger. Comment ça, Camino? Je la connais, c'est une chanson, ça. Nanana. Upside down. T'es contrarié, pardon. Attrape par l'eau. Je suis désolé, j'essaie de faire des efforts pour te comprendre, mais j'ai fait italien en deuxième langue et j'étais pas très doué. Camino. Down. Oh. Et toi?
Je sens qu'il y en a un là. Une cible mouvante. Oh, arrête de me faire la morale, mamie. Alors, ils sont tous identiques sauf un. Take me by surprise. J'ai l'impression que je me trompe. Ça s'ouvre pas. Crois qu'elle est passée de l'autre côté. Putain, elle est descendue, quoi! Mamie! T'es chiante, hein? Oh, on peut avoir trois spinels. Peux récupérer la dynamite? Un pichet. Ah oui, c'est vrai que les spinelles, elles vont sur les objets. Daddy's home. Quelle bande d'enfoirés. Quelle bande d'enfoirés.
Oh, ça va, hein? Moi aussi, hein, j'ai un couteau de cuisine maintenant. Hein. Et le tout sans tuer les vaches. Enfin si, j'ai tué le monsieur vache pour être précis. Ah mais faut le dire. Je l'ai tué le monsieur vache. Super. Et bah surprise. Il en manque toujours un de symboles. Mon Bacael. Mon cher Bacael. J'avais toujours pas trouvé le dernier symbole bleu. Ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Des fois, si tu tires mieux, tu verras bien. Que t'auras plus de balles à la fin du jeu. Et ce couteau débile, qu'est-ce qu'il y a sans deux? Dans la poussière d'étoiles. La vie tout simplement, passionnément. Je voudrais certainement pas continuer à chanter parce que c'est de la merde. C'est pas faux, mec. Hein. Attends que t'arrêtes maintenant. La 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 la. On a une photo de nu de la victime, s'il vous plaît. Un pichet sorti. Oh, on peut revendre les clés. Alors moi, à l'origine, si j'ai pas touché à ça, c'est juste que je m'étais dit que ça allait lancer les ennemis. Mais
Smile. Couteau de cuisine. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Il y avait un placard encore à ouvrir. Trop le roi de la fouille, Bacar. Le roi des connards. Ah, c'est pas faux. Je sais pas si c'est moi qui suis totalement con, mais j'ai du mal à viser. Peut-être parce qu'en fait, on est légèrement excentré. Quand je vais le découvrir, enfin, putain, mais je suis vraiment aveugle. Putain, mais je suis vraiment aveugle! Il parle dans la chambre, c'est du plaisir. Pour le plaisir, évidemment. Je prends des œufs, ça fait plaisir à la maman. Et c'est super bon à la santé. C'est rien que du naturel, les gars. On va éviter de sauvegarder en boucle comme j'ai des tendances à le faire. Sinon, on va finir avec 28 sauvegardes avant d'avoir commencé le jeu. Et là, t'as commencé le jeu. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Je valide tout le comportement de Léon. Comment dire? Je la connais cette maison. Ça fait comme ça. Alors. J'ai l'impression que quelqu'un a merdé sur la commande. Expression qui va la bœuf, va la neuf. Ça ressemble à un piège à con, ça. Non. Ahí está.
que j'avais dit. C'est bon, j'y vais à votre maison. Oh là là. Chauve-souris n'existe pas. Oh, il y avait un mec qui balançait des dynamites. Rien, je parle pas espagnol. Thank you.
Pourquoi ça me visait hein? C'est peut-être ici. Oui, mais pas ce que tu penses, hein.
ce bruit. Derrière toi, abruti! Tu sais que ça fait mal? Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, seigneur. Et t'as pas une clope? Eh non, je tiens à ma santé. Oh, ok. Tu peux me détacher au moins? Oh merde, manquez plus que lui! Vous êtes qui? Restez où vous êtes! C'est quoi ce bordel? Hé, hey, arrête ça! Hé, hey, Yankee, t'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hé, hey, arrête, ok? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez morflé pour ça. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein? Je parie. T'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être. Tu cherches une señorita? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient? Où ça? Qui sait? Mais après. J'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Merde. Elle n'arrive pas, c'est pas une vie. Où est-ce que tu vas? A plus, amigo. Hé,
Condor 1 à Perchoir. J'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Pourquoi j'ai pas les voix ? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Louis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. C'est à moi, ça. Excusez, mais comment par surprise lui s'il bouge pas?
Ah, j'ai trois couteaux de cuisine. Je vais monter une coutellerie, moi, en partant. Alors, dans mes souvenirs, l'eau qui brille comme ça, elle prend feu. Ici, étranger. C'est qui? It's Danatol, stranger. On va pouvoir faire des affaires, toi et moi. Attends, je reviens. Des rats. Des rats. Mais d'accord, c'est ici l'usine. Hein. Ouais. En théorie, les rats sont par là. Je t'ai entendu. Pas de rats. Que je vois, tu t'es chargé d'une roc. Quête, beau travail.
Je donne le fusil, s'il te plaît. Il est où? Il est sorti par où, Marcel Proust, si c'est toi qui as ouvert la porte? Tu peux me le dire, s'il te plaît? Tu t'es occupé d'une requête, n'est-ce pas? Ça se voit sur ton visage. Bienvenue. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Oh, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. J'ai encore quelques petites nouveautés qui pourraient t'intéresser. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Oh, ça, t'en auras pour ton argent, je te le garantis. J'achète tout et n'importe quoi. Une affaire bien conclue. Un peu de place ne peut pas faire de mal. Cette taille devrait te convenir, étranger. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Souhaite de beaux rêves à tes ennemis de loin, en leur collant une balle en pleine tête. Tiens, prends ça avec. Offert par la maison. Tiens, étranger. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. C'est de pute. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Un choix judicieux. Les munitions de cette arme transperceront à peu près n'importe quoi. Ma marchandise est en parfait état, je te le promets. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence.
J'ai plein de choses. Reviens quand tu veux, surtout.